What's up les potes, c'est Zaka Insanity, comment allez-vous? Attendez, il y a un petit souci. Voilà. Comment allez-vous? Moi ça va hyper bien. En tout cas aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Par contre bon, on va arrêter la blague, coronavirus ça va bien 2 minutes. Hein. Voilà, on va poser ça, le petit masque de famille ici. Voilà, il manquait plus qu'on devait l'utiliser chez nous quoi. Bon, à moins que si vous avez des cas chez vous, mais ça c'est autre chose. J'espère que vous allez très bien, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo réaction Attack on Titan. Comme chaque semaine, je vous ai promis que toutes les semaines il y aura une vidéo Attack on Titan. Et donc là, c'est le grand jour, on est dimanche et donc c'est l'épisode 2 de cette petite pépite. Une petite pépite, une pépite qui est magique et que j'adore. Oh là 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 là, en plus il y a des gens qui me disent oh, putain vous allez être choqués tout ça. Parce qu'en fait ils ont déjà lu, j'ai des potes qui ont déjà lu des scans. Et dans les scans il se passe des trucs de fou. Ils me disent vous allez être choqués nanana. Mais donc moi quand on me dit ça, hein, moi je suis impatient. Alors attendez, on va remettre les bouches trous. Ah oui, avant toute chose, abonnez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. C'est très important pour rien latter. Si vous kiffez Attack on Titan, si vous kiffez les mangas, si vous kiffez tout ça, franchement c'est la chaîne idéale. Voilà, petite pub. Putain. J'attends du lourd aussi, j'attends du lourd comme chaque semaine, j'attends du lourd. Ah, les bouches trous. Et puis c'est parti les amis. Aïe, c'est parti. Oh, j'attends du très lourd, j'espère que ça va défausser, défourailler. Donc eux, il manque deux titans primordiaux. Ah oui, petit détail, c'est 4 ans après la saison 3. Donc on a vu les enfants qui veulent récupérer les titans primordiaux, qui veulent être les successeurs. Moi je suis pressé quand même d'avoir Eren et l'équipe on va dire de l'autre côté sur l'île quoi. Je suis pressé hein. Franchement je sais pas ce qu'ils deviennent parce que c'est 4 ans après, donc moi je suis hyper pressé de les voir. Voilà, allez-y. Vous allez faire défourailler là. S'ils repartent sur l'île, ça va être terrible. Dans moins de combien de temps? Dans moins d'un an. Voilà, il a tout dit. Il me fait chier le téléphone à vibrer là. Putain, le titan Bestial, il va tout défoncer là-bas. Bon, il va se faire défoncer, mais bon, on va rien dire. Et surtout, pas de spoil dans les commentaires, pas de spoil. C'est très important. Train de nuit. Moi, j'attends qu'une chose, c'est que Eren, il éveille son... le titan primordiaux. Enfin, le titan originel, je veux dire. J'attends que ça. Donc lui aussi, il a le bracelet. Enfin, le brassard. Non, malgré qu'ils ont le titan, ils ont quand même le brassard. C'est infâme, ce putain de téléphone là. Énorme ce qu'il a dit quoi. Ah je suis mort. Putain, je suis mort. C'est casse-couille ce téléphone, il va jeter. Il va voler. Levi, c'est le Gava Levi. Levi, Mikasa, c'est les gars. Enfin les gars et les go. Ah c'est donc lui. Galia, c'est lui le titan. Le titan, comment on appelle ça avec la grosse mâchoire là. Elle a pas pris forme humaine depuis un bail. Elle est fan de Rain. Gabi, Udo, là on a leur prénom. Hein. Gabi, Udo et Sophia. Et Falco. Lui on avait déjà vu lui. T'sais, il a pris du 1. Oh le flashback. Ah ouais, il fait des menaces. Hein. Bon, Gabi, ce qui paraît, va recevoir le titan cuirassé. Et lui aussi. C'est toi qui dois sauver Gabi, du sang va venir qui nous guette tous. Lui, c'est le plus chaud. Enfin, j'adore trop son titan.
Le titan mâchoire, je sais plus c'est quoi le titan, mais genre c'est le titan, il est trop stylé, il a une barbe et tout. Je crois que c'est lui qui l'a. Ah putain, ici c'est les Eldiens, je crois. C'est la famille en fait. Oh, putain, il y a le pépé et le mémé de. Il y a toute la famille. Putain, quand même, ils ont enfermé les Eldiens dans un enclos là. Puf! Puf! Il abuse! Ah, taisez-vous. Les honnêtes Eldiens. Vous croyez que c'est qui là-bas? Ils sont quoi là-bas? Abandonnés. Oh là 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 là. C'est bon, il y a un mec qui est tombé du. C'est bon, il y a un mec qui est tombé du toit. Putain, ils ont écouté, ils ont écouté. Non, déjà? C'est une blague. Non, putain, je voulais voir plus. Je suis dégoûté, les mecs. Ah, je suis dégoûté. C'est déjà fini, ça fait 20 minutes, genre, déjà. Putain, moi, je voulais voir quand ils partent sur l'île. Oh là là. Ils vont aller sur l'île, putain, on n'a pas vu Eren. On n'a pas vu Mikasa, on n'a pas vu Levi, on n'a pas vu tout ça. Prochain épisode, c'est sûr, ils sont sur l'île. Oh putain. Oh là, ça va être lourd, ça va être lourd. En tout cas, je suis hyper content. L'épisode a porté ses fruits. On a appris beaucoup de choses. Je pense que je vais le re-regarder une deuxième fois de mon côté pour comprendre davantage. Mais franchement, c'était lourd. Lourd de ouf. Mais bref, voilà, en tout cas, les amis. J'espère que ça vous aura plu cette petite vidéo. L'attaque des titans, comme chaque semaine, il y aura un épisode. Ça, c'est sur chaque dimanche. Ou si c'est pas dimanche, c'est lundi. Parce que peut-être que j'aurais pas pu faire le montage, etc. Le dimanche même. Donc voilà, donc lundi au plus tard. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas le petit like, le petit commentaire, le petit partage. Et de vous abonner, c'est très important. Sur ce, je vous dis à une prochaine vidéo. On se retrouve alors dimanche. Sur ce, peace.